Mais bon, il y a un, deux, c'est bon. Ah oui, mais au moins ça me dit que c'est sûr. T'as un profil, ça. Bon bah voilà, on est un tournant de ma vie que je ne pensais pas un jour faire. Nous allons réaliser un tuto beauté. Mais heureusement, nous sommes en compagnie de... Ah, moi. Bah je sais pas. Ça sera notre petite voix off qui sera là pour m'aider durant cette étape maquillage. Alors, c'est pas trop compliqué, j'ai pris un petit tuto sur le net qui dure seulement 3 heures et on va essayer de se maquiller avec ça. On va aller dans le vif du sujet, je vais pas dire en fait quoi, qu'est-ce que sert quoi parce que j'en ai aucune idée. On va juste faire mettre ce qu'elle met et puis on verra à la fin ce que ça donne. Mais consciemment, ma virilité, je sais pas où je l'ai mise, mais elle est partie. Et de base, alors, elle m'aidera uniquement lorsque je serai en train de sécher, parce que forcément dans le tuto ils vont dire des choses, je vais pas comprendre, on va essayer, et puis... Ah, elle le met juste à la main quoi. Voilà. Ah, moi je m'attendais à utiliser des trucs de ouf. Non. Le truc est chiant, c'est que je vais devoir le faire sur un miroir que j'ai juste en dessous, et pas parce que j'avais pas de miroir à mettre comme ça. Allez, let's go. Je ne vois aucune différence. Et essaye de tondre ton visage, sinon ça va rentrer dans tes ridules. Non mais quoi? Ça tombe bien, il y avait un... Vous voyez la petite tache là? Espèce de reste de bouton là? On va lui niquer la gueule. Est-ce qu'il y a une différence ou pas avec avant? On verra. Perfection éclat. Il y en a qui est beaucoup plus clair que l'autre. Sachant que j'ai un teint mat de base, on va prendre le plus foncé. Peut-être dessus ou sur moi, direct. Non, elle a mis sur sa main et puis après elle a fait peut-être des trucs. Alors! C'est cool! Je sais pas pourquoi je sens qu'il y en a vraiment beaucoup dessus. Il y en a vraiment beaucoup. On dirait que je m'y prends pas très bien. Voilà. Tu rigoles, mais à la fin, je serai trop bonne. Et là, on fait comment, là? Tu testes tout, tu verras. De toute façon, tu vas pas te crever. C'est dur. Non, je suis pas très bien. Mais non, regarde, faut que tu sois comme ça, tu tends ta peau. Voilà. Tu veux pas un bandeau, là, quand même? J'ai l'impression de me taper. Ah oui, c'est quand même confortable, l'éponge, c'est doux. C'est confortable? Ah oui, c'est doux. Est-ce que je suis doux? Alors après, elle a parlé d'un truc, ça s'appelle concealer. C'est pas ça. Je pense que c'est ça, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, elle a été froid. Moi, généralement, je fais un triangle sous l'œil pour englober la... Okay. Plutôt isocèle ou... Rectangle. Rectangle. Mm-hmm. Maintenant, j'ai des cernes blanches. Éponge. Chat. Trou. Et pour avoir un bon gâteau, il faut bien tamiser la farine. Là, tu peux attendre quelques secondes. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Bah, t'es tout blanc sous les yeux, hein. Ah. Donc là t'attends, en fait ça va fixer, ça va plâtrer on va dire ton anti-cerne, ce qui fait que ça va pas bouger normalement. Fais comme ça hein. Pas avec ce pinceau. Ah, fais pas avec ça. Bah tant pis, aujourd'hui on rien avant que la mode. Ça a l'air de te faire vachement rigoler. Ouais. Bah, elle a mis une couleur mais elle va remettre une autre après. Ah oui, c'est ça le but du maquillage. Ok, cool. C'est de l'art plastique. C'est méga dur, comment vous faites? Pourquoi vous faites avec une aisance particulière là pour... Oh, c'est parfait! Oh! C'est pas forcément les couleurs que j'aurais pris, mais elle a pris un truc plus, tu vois quoi. Ça ressemble pas du tout à ce qu'elle a fait. Ça doit faire une de ses gueules à la caméra. Elle a tiré mon nez dans tous les sens. Ma grosse patate. Ça sent pas très très égal. Mais c'est pas mal. En fait, c'est facile le maquillage, c'est du coloriage. Ah, mon œil. Toi, tu débordes beaucoup, hein. Non, t'inquiète pas, ça, franchement, c'est rigolo. On me dit qu'il faut refaire ça, mais avec un plus piti. Ça ressemble pas du tout. C'est bien, non, je suis... Il y a clairement un où j'ai pris un point dans la gueule, quoi. C'est pas égal, mais je m'en fous. C'est toujours le problème, c'est d'avoir l'œil fermé de manière... Là. On n'est pas trop mal. Peut-être que ça te fait. Tu m'étonnes. C'est beau? Oui, c'est artistique. Mais attends, à la fin, tu vas voir. C'est comme un dessin. Quand on fait les traits et tout, c'est pas beau. Et puis après, ça devient magnifique. On va prendre cet estompeur-là. Et après, il faut estomper. Voilà. Hop. Aïe. Maintenant, j'ai pris un coca. Petite paillette pour faire joli, là. Vraiment trop bonne. Donc, avec les paillettes, c'est pour avoir un petit côté lumineux. Voilà. Et fais ça avec une telle aisance. Ok, et après la pointe elle remonte un petit peu, tu vois. Déjà je pars mal parce que j'arrive pas à garder mon œil bien fermé. C'est tellement plus facile sur quelqu'un d'autre. C'est beaucoup trop dur, putain. Ah, tu te moques de moi mais t'es pas mieux, hein. Non, mais attends, ah. est-ce que je suis une fille? C'est chiant. T'as
possible. Tu veux que je te tienne le miroir? Tu seras peut-être déjà plus à l'aise. Bon, bon, pas du tout. Pas du tout. Non, top. J'ai appelé venir ta paupière. Regarde en bas, Seigneur. Ouais, juste un tout petit peu pour tenir ça comme ça. Oh, c'est bien comme ça. Oh, attendez. J'ai trouvé un petit... Non, c'est mieux. Mais arrête. Je l'ai fait deux fois, je suis trop con. Je fais trop une fois, je recommence. Donc voilà, c'est fait exprès. Hein. En vrai, ça va. Non? Alors, étape critique, l'œil numéro 2. Et tu fais avec la main gauche? Mais avec la main gauche. Ça, ça va être drôle. Évidemment, je trouve ça plus simple. Ah merde, je vais arrête de te moquer, bordel. Elle dit qu'il faut remonter après. Mais t'es en train de te... C'est pour ça que la table elle tremble, tu rigoles. J'avoue que c'est pas ouf. Tu vois, c'est mieux quand tu regardes en bas. Il est plus intense que l'autre. Maintenant, il faut faire le eyeliner. C'est-à-dire sur votre muqueuse en dessous. Et il marche pas. Tu vois, il crie sur ta main. Ah si. Ah putain. Ah oula, 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 oula. En fait, s'il y en a. Non, ça se voit pas. Un petit peu. Si. Ah aussi, ça se voit. Ça se voit. Un petit peu, oui. Ah, je pleure. Ah, c'est horrible. Ah mon dieu. Ah, mais le mascara après. Nice. Il paraît que j'ai des beaux cils. Si tu veux oh pas... putain. Si tu veux pas de paquet. Grosse merde au moule. Il y a clairement un souci. Hein. On dirait Cynthia, 14 ans, qui essaie de se faire lâcher par son mec. Dans la vidéo, elle monte de vachement près pour vous pour montrer comme c'est bien. Moi, je vais pas le faire parce que faut pas. Non, je déconne, je vous montre finalement, mais... Regardez-moi ça, hein. Petit contouring maintenant. Je sais pas ce que c'est, mais... Ne le sois pas. Si. Si. Ou bien estompé qu'elle a dit. Ça me réchauffe le teint. Qu'elle a dit. N'hésite pas à frotter, tourner, hein. Pas comme ça, tu prends ta palette, tu fais... T'inquiète pas, je gère, ça fait 34 ans que je fais ce métier. Tête de con. Ça se voit pas du tout. Ça c'est ma petite touche perso. N'estompe tout pour harmoniser. Pour les gens que je connais personnellement, me jugez pas. Hein. C'est trop chou. C'est un truc, il y a un petit machin qui sort. C'est mignon. Mais c'est hyper dur. Ah, fais comme ça. Il est beau ton trait là. c'est chiant. Elle était inventée pour faire chier le monde et où je l'ai. Hein. Pourquoi tu fais A à chaque fois? Je sais pas. Quand tu ouvres la bouche, tu fais A. Normal. Bah là non. Mais pas chez le docteur. Hein. Oh. Essaye de faire comme dans les films. Elle prend juste. Et hop, c'est fini. Bah oui. Normalement, c'est comme ça que ça se passe. Ouais. Oui. Ça se passe très mal. Ça se voit pas la caméra, mais j'en ai plein sur les dents. Tu veux une technique pour l'enlever ou pas? Non, parce que je m'en fous. Tu veux une technique pour ne pas en mettre? Vas-y, peut-être pas mettre de rouge à lèvres. Fais ça. Quoi? Ça va pas, je vais pas faire ça. Ça va être excellent. Mais ça va pas. Moi, j'en ai pas. C'est pas crédible. Mais ça fait trop bien, c'est trop drôle. Et ça fait trop. Ça a du souci à se faire là. Bon, et ben voilà. Lumière. Et ben voilà, bah écoutez, c'est relativement moche, mais pas comme si je le faisais tous les jours. Voilà, c'était un petit défi qu'on s'était lancé avec, enfin un défi, c'est pas vraiment un défi, une idée qu'on s'était fait avec madame pour, voilà, quoi, pour s'amuser. Mmh. Il y a zéro placement de produit dans la vidéo, mais du coup, pour les couleurs, j'ai utilisé surtout les trucs de Nocibé et de... Bah, j'ai testé à un moment donné la Sexcananas. C'est pas moi qui achète ça, hein. c'est pas moi. Hein. T'as des conseils à donner, toi, ou pas, en arrière-plan Oh, la voix off, je te parle. À peu près bien réussi au niveau du rouge à lèvres quand même, il y a quelque chose. D'accord, tu donnerais une note sur 20 là ou pas? Surtout sur oui, le global. Le global. Le global, tu mettrais combien sur 20? Honnêtement? Ouais, mais oui, honnêtement. Vu que c'est ta première fois tout seul. Non, mais pas de première fois, hyper honnête quoi. Bah, un petit 10. Oh vache, c'est rire. Bon, aux yeux. Aux yeux? Ouais. C'est là que ça pêche le plus. Hein. Allez, un petit 12. 12. Ça pêche, mais c'est au-dessus de la moyenne. Alors je sais pas le reste, on a combien. Tu
T'as un problème de notation, là. Oui, t'oublies le 10 sur 20, alors. Et sinon, le reste? Le teint, on a combien sur 20? Le teint, c'est bien. Plutôt un 16-17. Ça nana, c'est le tête à 25 sur 20. Oh non, c'est bien. Et les rouges à lèvres? Rouge à lèvres, je dirais, c'est ce que t'as réussi comme mieux. Il est quand même petit 18. Nice. En tout cas, si vous voulez un bon conseil, c'est juste faites pas ce que moi j'ai fait. Déjà, si vous êtes un homme, ne vous maquillez pas, c'est con. Et si vous êtes une femme, bah faites-le mieux que moi. Vous vous rendez pas compte, hein, mais le setup à mettre en place, il était long, hein, je vais vous montrer. Voilà. Tout ça pour te préparer. Bon bah voilà, c'est fini. Salut.